Bonjour. Non, brièvement les amis, je voulais juste vous dire, surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Snapchat les amis. Franchement, c'est bien plus facile pour être au courant des dernières vidéos et en plus pour discuter avec vous. Donc voilà, bonne vidéo. Non mais si le mec il commence comme ça aussi. Bienvenue à bord, ben me commande, j'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, moi ça va super, je suis tout simplement en compagnie de Jérémy. Ça va tranquille. Alors Jérémy, c'est tout simplement un membre de l'équipe de France Maccabi. Je vais vous expliquer ce que c'est Maccabi. Avant tout, je tiens à préciser, donc on n'est pas là pour parler de religion ou autre, pas du tout. Chacun a ses croyances et on les respecte tous. Juste, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les Maccabiades du coup hein? Alors les Maccabiades, c'est une tradition qui rassemble tous les athlètes de communauté juive. D'accord. En fait, ça dure depuis des années. D'accord. Voilà, et moi j'ai fait ma première Maccabiade cette année. Okay. Cet été, d'ailleurs on a perdu en quart de finale contre le Mexique. Ouais, ça, c'est déjà bien, c'est un beau parcours c'est franchement. C'est la première fois que la France passait les poules, c'est tous les 4 ans, c'est comme en fait des Jeux Olympiques. Ok. Et voilà. Donc tout simplement aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir Jérém avec moi, il faut savoir que c'est un pote à moi en fait tout simplement. et en fait on va tout simplement réaliser des défis, donc il va y avoir un défi crossbar, des reprises de volée, tout ça. Donc sans plus tarder les gars, c'est parti pour le défi numéro 1. Ok, premier défi, crossbar. Le premier qui arrive à 5 crossbars, on est environ aux 20 mètres, voilà. Il n'y a toujours pas les lignes, mais bon, c'est pas grave. Jérém, tu commences? Comme tu veux. Vas-y. Vas-y. Non, mais si le mec il commence comme ça aussi. C'était pas loin. Au début on était pas mal, on ralentit un peu, mais ça va aller. Elle a touché les gars, on a entendu. Il se fout de moi. La balle de match. Bon, un défi perdu encore. Plaisir. Bon les gars, première manche remportée par Jérém. Ouais. Bon, j'ai l'habitude de dire ça en fait. Première manche remportée par jamais c'est moi. Donc premier défi crossbar fini. On va faire maintenant des volées en fait tout simplement sur quelque chose que je maîtrise à fond. Hein. Vous le savez, la reprise de volée, pas du tout. Il va y avoir des centres. La personne va devoir reprendre jusqu'à temps qu'il y ait une belle reprise de volée. On notera, enfin on notera pas, mais on dira laquelle a été la meilleure. Bonne chance. Bonne chance à toi. Moi je dis, je vais gagner. Allez. Bruh. Décidé de m'améliorer sur les reprises de volée. Oui monsieur. Oh ça c'est chandelle. 3 points. Oh non. Pas fort dans un truc les gars, continuez, c'est en s'entraînant qu'on s'améliore.
Griezmann, viens dans la vidéo s'il te plaît. Bon les gars, deuxième défi terminé, on va passer à un troisième défi, mais bon je pense que ce défi, on va dire... Je vais t'obliger. Ouais, franchement la barre transversale elle donne un petit truc en plus, franchement je pense que... Ouais, je pense que j'ai gagné sur celui-là. Ça fait plaisir de dire, j'ai gagné. Bref, on va passer au troisième défi qui est de tout simplement faire des 1-2 et ensuite enchaîner avec des grosses frappes. Mais avant tout, Jérém, je voulais te poser une question. Qu'est-ce que ça fait de représenter la France lors d'une compète? Ah ouais, ça c'est la question, c'est la deuxième question. Ouais, franchement, comme je disais tout à l'heure, c'était la première fois, tu sais, que j'ai fait les Maccabiades. Et c'est vraiment un truc de fou. Ah ouais. C'est un truc de fou, comme en fait, on a fait une cérémonie d'ouverture, tu sais, la cérémonie d'ouverture et clôture pour la compétition. Il y avait plus de 40 000 personnes qui te regardent défiler. Bah, c'est vraiment quelque chose, en plus tu représentes la France, ton pays. T'es cuisson les gars. C'est ça, ouais, non, ça fait plaisir. Franchement, pour des footballeurs amateurs comme nous, bah, tu réalises un rêve de gosse, en fait, tout simplement. Croyez en vos rêves, les gars. C'est une expérience à faire et que je vais refaire dans 4 ans. Parce que moi, j'étais remplaçant un peu cette année, mais j'ai joué pas mal de matchs. Et j'espère être titulaire, les 4 ans après. Ok, bon, c'est cool. Franchement, les gars, c'est un truc de fou. Donc voilà, croyez en vos rêves, les gars, vous pouvez les réaliser. Et puis nous, on est parti pour le troisième défi. Ouais. Ouais, le but, c'est du calme, ouais. Pour l'instant, c'est la sienne. Ça va changer. Bruh. Le petit. Oh là là. Bon, je vais essayer de mettre une plus belle. Là, chaud comme jamais. Non, Monsieur Crossbar est de retour. Pas mal. Ça fait 2 bandes d'affilée là. Il était beaucoup plus rulu, hein. Bon franchement on a mis de beaux trucs. Bon les gars, fin de cette vidéo. Franchement on a mis de belles frappes, mais on sait pas déterminer laquelle est la plus belle. Donc à vous de voter en commentaire. Vous dites franchement je mettrai, je pense, Jérémy et Vaem. Vous voterez pour celui que vous préférez. C'est galère. Ouais franchement. Mais les premières frappes on a géré, après on était un peu épuisés. Enfin bref, tu reviens quand tu veux sur la chaîne mon pote. Avec plaisir. T'es le bienvenu. Avec plaisir. Et nous on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Entraînez-vous bien, profitez de la vie à fond. Et peace.